Yop tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oh, l'odeur de Malaka. On a des macs. Salut Stéphane. Salut Tsuki. J'allais dire Tsuki. T'as gros... Alors non, mais alors, attends, je t'explique. Il y a littéralement 3 secondes, il avait Tsuki dans la main. Je fais mon lacet et il a la cam. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Non, je prends la caméra et je te demande à toi. Moi, je ne raconte que la première partie. Toi, tu t'occupes de la seconde partie. On a un tournage pour YouTube. Le premier tournage, enfin. Et Corentin est réveillé, il faut préciser. Corentin est réveillé. Ça débute à 14h, il est 13h10. Corentin va arriver dans pas longtemps. Le tournage, c'est. Le but, c'est de ne. Stéphane va faire plein de. Toi, t'es en train de spoil là. Peut-être pas, ok. Tout ce que j'ai dit sera bipé. Ouais, c'est ses tournages à lui, c'est lui qui gère ça et il nous a regardé en mode je peux. Donc, c'est le tournage de. Ouais. C'est rebipé. Ensuite, du coup, ça va être un peu sportif parce que. Ouais, on est sur un. Ouais, c'est une après-midi sportif parce que là, il est 13h. Normalement, le tournage, c'est de 14 à 15, 16. Et ensuite, on embraye avec la préparation de l'émission du lundi que Stéphane va nous expliquer. On est sur un mauvais mois là. Oui. On a fait, il y a 2 semaines, MK LOL. Donc, ouais. On a dû monter le 5ème PC. Il y a Outplay, on a dû démonter. Là, on a Master Quiz, on doit tout vider. Sauf que, entre temps, on a le tournage, donc on ne peut pas tout vider. Et il faudra tout remonter parce que la semaine prochaine, on a la soirée Valo chez Core. KMML gère le stream. C'est le donation goal du Z-Event. Ça va être sportif. On a fait venir les graphistes cette semaine pour faire genre, on avait besoin d'eux. Pour les DA et tout. Regardez. Juste qu'on avait besoin de bras. De retour. De... Rigolez pas trop là, Emeric et Van et tout, parce que vous allez porter des bureaux aussi. Tu vas nous aider? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un tournage, ça se maquille? Bah oui, parce que sinon on dit, Mel, t'as une tête frère de fatigué. Je vais le faire, c'est trop mignon. Tête de fatigué, frère. De fatigué. Fatigué, frère. Oh, j'ai fait un mauvais accent. Oui. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, le produit que j'utilise. Wacam, t'es passé de 45 à 34 ans, c'est un truc de fou cet anti-cerne. Maquille-moi, je veux bien te maquiller aussi, s'il vous plaît. Tu peux rentrer? Oui. Je voudrais te maquiller aussi, s'il vous plaît. Ça fait pas mal. Aïe. Pourquoi tu lui mets là si c'est un anti-cerne? Parce que là, je cache les boutons. Et ah en oui, fait, boutons. Comme il a la peau claire, j'ai pas envie de mettre trop foncé. Regarde là. Bah non, c'est clair là, c'est ok. Et en vrai de vrai. Ouais, non, franchement, c'est. Yo la team, du coup, comme vous avez vu, là, on va aller faire notre premier tournage de la G-Corp. Moi, en l'occurrence, c'est le premier projet que je gère, en tout cas pour YouTube. Du coup, voilà, c'est une petite fierté pour moi. C'est un projet qui me tenait beaucoup à cœur. Donc, j'espère que vous allez super bien l'accueillir. On est quand même assez stressé là vis-à-vis du tournage. J'espère que ça va bien se passer. Du coup, j'espère que vous allez kiffer, que ça vous fera patienter jusqu'à la rentrée, jusqu'à nos beaux projets de la rentrée, parce qu'on vous prépare plein de belles petites choses. Bisous. Et mettez des pouces bleus, les gars. En dessous de ce vlog aussi, des pouces bleus. Regardez-le, ce ministre. Vous savez ce qui est bien? C'est que du coup, à part la vidéo, il y a personne pour me faire rire ici. Oh. Yann, aucune chance. Mel, on n'en parle pas. Alex, bon. Voilà. Là, moi, clairement, mon objectif, c'est d'éliminer. Tout le monde. Tu penses que tu me détruis? En fait, moi, j'ai peur de me faire avoir par les vidéos. Petite anecdote, que c'est Nema et Six qui ont préparé les vidéos. J'ai envoyé une vidéo à Six, mais je me suis dit, faut absolument que celle-là, on la mette. Elle est trop drôle, mordue. Elle m'a dit, elle est déjà dans la vidéo de base. Sachant que cette vidéo m'avait fait pleurer de rire pendant 3 minutes. Ça risque d'être très dangereux. Ça va full tryhard, personne va rire. Ouais, ça c'est la tête. Montrez chacun la tête de je dois pas rire. Toi tu serres les lèvres, moi je sais pas genre ce que je fais. Ah voilà, toi tu sais comme ça, c'est un peu. Alors vous savez, une tête qui est très drôle. C'est Mel quand elle siffle. Quand elle siffle, elle a sa bouche qui va en bas sur son menton. Du coup, brief. Briefing s'il vous plaît. On gagne quoi, on perd quoi? Moi j'achète un appart, je veux bien de la thune. Briefing. Tu connais les vidéos toi du coup? Non, je connais rien du tout. C'est Six qui a tout fait, donc si on peut lui faire un petit big up et tout, elle s'est gavée. Ouais, bravo Six. Quand tu veux, Corentin. Yolatine, c'est un truc de vrai. Yop tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo par Alex qui m'oblige à faire, qui nous oblige tous à faire. C'est un concept inédit que personne ne connaît, il ne faut pas rigoler. Ok, déjà un point. Mais non, on a pas lancé la vidéo. Alex et Cam, je peux pas laisser passer ça. Je suis désolé. Alex, il est en insuffisance respiratoire, il vient de prendre sa respiration, t'as vu ou pas? Si vous avez kiffé, mettez le pouce bleu. Merci à toute l'équipe de vous être rendu disponible. Merci Alex pour l'organisation. À la prochaine. Tchuss. Peace. Salut. Moi je me suis retenu fort plein de fois. Mais moi mais pareil. C'est le premier. Le spike. Oui, le spike. Ah ouais. Celui-là j'avais trop envie de rire. Celui-là était marrant. Parce qu'en fait tu t'attends à tout. On vous le met sur le vlog. Là on vous le met. Il y a que lui qu'on verra. Spike planted. Alors Yann, c'est quoi aujourd'hui que tu nous fais comme nouveau contenu Écoute, c'est un véritable plaisir parce qu'on revient pour le Master Quiz 2ème édition. En plus ce soir on a un plateau de fou, ça va être trop marrant. J'ai vraiment zéro crainte sur le fait que ça va être une super soirée. Trop bien. Ah tiens, je me souviens que la dernière fois j'avais le tips de Yannou. Et est-ce que tu le savais que quand tu regardais une vidéo YouTube, tu pouvais faire du image par image sur le clavier? J'ai réfléchi aujourd'hui, j'ai pas de tips, par contre j'ai une imitation. Ah, vas-y. L'imitation du bébé qui pleure. Ah, 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 ah,
Voilà, ça c'est un son qui vient de la gorge. Il vient de loin ce son. Il vient de super loin. Ça me permet aussi de. De faire des voix un peu rigolantes comme ça. Stupide, bitch, fool. Tu sais, dans les vlogs, on a déjà la minutie avec A2 Yann. Oui, il paraît que c'est, voilà. Le, c'est l'homme le plus drôle de la G-Corp parce qu'un jour il a dit quoi, Fur. Élise. Quoi Fur. Coup dur pour Guillaume. Voilà. Et du coup là, comment est-ce qu'on peut appeler ça? On peut appeler le truc de Yann. Tu nous fais un petit jingle à la bouche avec des voix un petit peu, des imitations du coup. Et c'est le truc de Yann. Ça a reçu les Forex. Tu t'installes de Forex Master Quiz. C'est incroyable. Je nous trouve, désolé, mais je nous trouve trop fort. On en a dans la tête, hein, quand même. J'étais en Suisse. Oh là là, beau monde. Oh, t'es vrai qu'il va être sur 7 devant, je vais crier, je vais trouver toi. Bon, il y a Gigi, comme vous l'avez vu, Gigi, Étoile et Dwag qui sont arrivés. Et là, ils sont allés s'installer dans la pièce de stream pour jouer à Smash. Qu'est-ce qui se passe, Dwag? Il y a différents types d'invités. Il y a ceux qui, du coup, comme Inox, posent ici, partagent un petit peu du temps avec tout le monde, etc. On a d'autres, comme McFly Kaito ou même Jonathan Cohen, ils viennent, ils sont un peu curieux, ils regardent partout et tout. Et puis, bah, t'as les gamers, les geeks, ceux qui mangent les cartes graphiques, qui sont arrivés il y a 5 minutes. Premier truc, il y a plein d'endroits où on peut brancher la Switch. Gigi Étoile. Et ça Smash. Et on n'existe pas pour eux. On est stigmatisés comme des geeks de merde. C'est game, c'est game. Mais tu penses qu'ils sont donnés rendez-vous pour venir plus tôt être préparés? À mon avis, c'est organisé. Et là-bas, ça bosse dur. Regardez, ça fait des. La compta et tout machin. Ça se voit, je vous déconcentre de fou, je leur casse les couilles. Alors qu'en fait, et elle pense que je suis en train de dire de même. Oui, non, mais je raconte ce que vous faites. Là, on est en train de travailler avec Mel sur le réaménagement des locaux ici. Donc, l'objectif, c'est qu'au début de la rentrée, on accueille de nouvelles personnes. Et donc, de réaménager les locaux pour avoir plus de place et aussi une nouvelle dynamique. En gros, notre effectif, il augmente. Ça, c'est une du bonne coup, chose. Il faut qu'on réaménage tous nos locaux. Ou qu'on déménage. C'est pas architecte d'intérieur, toi, par hasard? Un petit peu légèrement, bientôt complètement diplômé. Enfin. Ouh là là, cinquième année là? C'est ton projet du coup, ça? Entre guillemets, Lélé la craque. Vas-y, let's go, dis go sur les termes. Vas-y, dis combien ça coûte là? Bah, on va le déterminer là. Au minimum combien? Déjà, le projet initial, il était chiffré à 100K, donc elle savait très bien que ça allait être. Ouh, ça genre, pique. L'objectif, c'est de le diviser par 10, qu'on se le dise. Quand même de créer aussi même un peu plus d'espace et c'est de pôle de service finalement, parce que c'est tout bête, mais. Moi, j'ai pas de pôle YouTube. Hein. Bon, arrête de tout ramener à toi. Avoir des salles en plus, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a une salle de réunion, on a l'open space, je sais pas, peut-être dans le garage. Allez, c'est pas pour teaser, mais tu sais très bien pourquoi on doit réaménager les locaux par rapport à tous nos projets qui arrivent. Ouh. On va lancer. Ouh. Le premier projet que j'avais dit dans l'épisode 1, bah il va sortir en septembre. Oui. Voilà, c'est un indice. Aujourd'hui, nous sommes le 15 septembre 2021 et on va. Oh là là. incroyable. C'est dingue, c'est incroyable. Et on bosse dur, hein. Je peux vous dire que ce projet, les gars, là-bas, ici, là-bas, partout, ça bosse dur. Est-ce que le vlog sortira? Ah non, il sortira pas. Attends. J'allais dire les streamhackers, venez. Oh, mais en plus, ils ramènent les streamhackers du vlog. En plus, c'est moi la régie, donc je vais bien mettre leur POV pour voir quand ils lancent. Non, ouais, j'y connais rien. Par contre, je suis minutieux. Ah, mais je pense avec Jeff, vous allez vous faire kiffer là. T'imagines, t'as pas le kill, tu mets pas la bonne POV au bon moment et tout. Et ça va arriver. Non, parce que j'ai la vision de jeu, donc je saurai qui va prendre le premier duel sur ballon. Imagine, tu l'as pas, genre. En vrai. Non, mais il a raison. On serait les meilleurs ops de nos propres lives. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de jouer Zeri, qui va passer devant. Je vais pas mettre la POV de Sage. Voilà. Ouais, moi c'est une Sage agressive. Il faut ne pas mettre en avant pour montrer du gameplay. Non, je sais pas. Regardez qui voilà. Oui et toi, oui et vous. Écoute Rivia, ça va? Le yo. Ok. Yo, les gars. Ça va ou quoi? Mais t'es trop prêt, gros. Ouais, vite fait, hein. Oh là là là. Oh là là, mais tout le monde arrive en même temps en fait. Ça va? Comment il va ce mec? Ça va bien. Ouais, toi, wesh les gars, vous allez bien? Hey, c'est son métier. Oh là là, il est son métier. Rox. Tu vas vendre? Oh non. J'ai eu ma dernière chance. Non non non. J'ai acheté cette paire de chaussures. Sur les 25 personnes qui sont venues, tout le monde a détesté. Du coup, je les ai jamais mises. Toi qui es le roi du flow. Honnêtement. Ah le sourire. Le sourire qui trahit. Ouais sinon allez s'équiper hein, les micros hein, allez on y va. Je suis en train de dire justement à Michou que ce soir ça va être full culture générale. Et justement une question random qui peut sortir. Qui a dissous l'assemblée générale avant de l'abolir? Wow. En 1722. Si tu l'as, bah par tu exemple sais toi. Ouais. Bah attends, toi, tu l'as foutu. Vas-y dis-le. Ah mais tout le monde l'a. Ah mais c'est vrai, ouais. Tu l'as pas. Dis-le. Mais personne n'a, frère. Charles de Gaulle. Non presque. En 1722, ouais c'était pas loin. Ouais c'est avant. Bah oui j'avoue. Il est encore vivant. Ah oui c'est vrai. Oui. Non c'est vrai. Non vous tu mens. Mais si mens. Attends ils savaient pas mais. Il l'a perdu, il l'a perdu. Mais c'est quand? Je peux pas le tenir. Il est mort depuis très longtemps mon rêve. Il est mort depuis très longtemps. Il a plongé.
Le décor fait mouche. Non, c'est bah il comprend le système. T'as vu, on peut le changer à chaque fois. C'est un truc de scotch, ouais. Trop mal. Pour limiter les coûts et avoir toute la personnification à chaque émission. Et puis en plus, après, tu peux le déplacer. Tu peux créer des placements en fonction. Voilà. Faut avoir des biceps quand même. T'as niqué tout le plan de cap. Oh merde. Voilà. Mais c'est pas grave. Mais tu l'as bougé aussi. Gros, quand il me regarde, il m'a flingué. Ok. Monstre. Non, moi, j'ai adoré quand il fait ça. Kane qui va éliminer Gotaga et Brooks. Wow, c'est grave. Vous avez pas toute l'histoire. Il est venu en vélo, 30 km, 2 heures fini. De vélodrome. Pour s'entraîner. À fond. Il découvrait, ah, t'as trop lourd et tout. Ouais, ouais. Moi j'ai dit, je fais 3 tours, j'ai fait. Wow. Après, il nous a chassé 30 km. Et à la fin, on dit, ouais, tu rentres comment? Il a dit, bah, en vélo. Mais oui, mais c'est rien. La dernière fois, il est parti en vacances, genre vers la Bretagne, je sais pas quoi, avec sa meuf. Elle a... Je vais finir cette phrase. Avec la vie de ma mère, il est parti en vélo. Et ce qui est ouf, c'est que du coup, sa femme, elle est en mode, franchement, s'il y avait une femme qui aimait pas le vélo, elle est foutue. Elle est obligée de suivre en mode, bon, bah. Mais les valises. Mais lui c'est un fou, c'est ouais. Les valises, il les met derrière le vélo, machin, il a son petit truc, il y va, il est trop fort. Ken c'est vraiment monstre. Michu il est quand même assidu. Hein. Et arrivé avant tout. Non et encore. Je suis arrivé en retard. Ça le suceur. T'es un suceur de fou. Vrai. Mais toi tu viens jouer pas à Smash, tu viens pour jouer à Smash. Moi je suis quelqu'un qui déteste être en retard, donc j'arrive à 18h45 et je repars à 3h du mat parce que je parle avec Steph. Ouais. S'il y avait une tier list de gens qui restent le plus tard à la G-Corp, c'est toujours moi. Y a... Non, il y a Amine aussi. Ah oui, on a Amine et Étoile comme la dernière fois. On est parti à 5h30. Attends. C'est très grave à chaque fois. Mais en fait on parle de la vie, ça parce qu'on aime bien ça. Ça y est, il est là. Un peu en retard. Ça va ou quoi? Vite fait. Il est quelle heure? Il est 20h. Ça y est le coup. C'est mon gars sûr. Ah, c'est ton gars sûr, ça y est, t'as adopté. Hein. Elle est venue me voir, elle savait que j'allais la porter et tout. Oh, ça va ou quoi? Oh, tu pas chez vous. Gros, on est lié. On a fini dernier, on a fini dernier. Non, t'as fini dernier. Le délire. Peut-être qu'il a encore le seum. Ça va ou quoi? Il est non, pas du tout. Tout, non, trop, quoi. Il aime pas perdre. Votre idée, c'est favori ce soir. Pour voir quoi? Pour gagner. Pour gagner. Moi, je suis favori pour gagner. On a mis des sous sur toi. Ah oui, pareil, qui a mis des sous? Tout le monde. Ah, je suis désolé d'avance pour vous. Vous avez terminé. Salut, Gota. Ça va, mec? On a le gros chat, non? Alex, pourquoi dans les vlogs, quand tu fais des plans et que tu parles à la caméra, tu les fais comme si tu te faisais sucer? Ça s'appelle une POV, mon pote. Tu connais pas? J'ai bossé 2 ans avec Manuel Ferrara. J'ai été monteur vidéo pour Manuel Ferrara. Non mais vraiment, alors que Manu était juste monteur, si tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression d'être très intime quand je regarde les vlogs, quoi. Non, mais c'est ce qu'il aimerait bien. Oui, bien. Regardez, ça c'est Gotaga, vous le voyez pas souvent sur les vidéos de votre propre chaîne. Attends, il m'a fait une transition tout à l'heure. Hein. Quoi? Ouais. Ouais, mais du coup, elle marche pas parce que je dis on se retrouve pour l'émission. Non, mais t'inquiète, il y aura des faux raccords. Ah bah, allez, c'est parti, si vous voulez. Juste les gestes. Hey, tout le monde en place là, on va prendre les gars là. Du respect pour. Du respect pour le viewer, du respect pour le viewer, c'est ça. Oh Elise. Ça t'a clashé Elise hein. Ouais. T'as dit t'es sur cette mèche bon. Elise fais pas genre devant la caméra hein. Parce que là t'es en mode ça te fait pas rire alors que t'es mort de rire. Waouh. Stop. C'est vraiment c'est The Office quoi. Tout le monde se donne à fond, j'ai vraiment le meilleur contenu ce soir. Ouais, demain. Et ça tu coupes. Donc quoi tu me fais transition début de live hein? Tu me fais transition, tu mets la main sur le... Oh là là, on commence live, à tout de suite. Bonsoir à toutes, bienvenue sur la Gotaga TV. Comme vous l'avez vu, c'est le Master Quiz, la deuxième édition. Où la canne de Yann? Elle est au milieu, serre à droite. On est là pour gagner. Quel est le deuxième pays avec la plus grosse superficie? C'est très simple, vous mettez la Russie, la deuxième c'est la Chine. Ah, c'est trop long. Le Canada. Bah oui. Let's go. Il me l'avait montré, toi, en stream. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Master Quiz deuxième édition. Félicitations à Gotha et Dwag parce que c'est encore eux qui ont gagné. Bravo Yannou. Allez la photo de fin, photo de fin. Regardez, ouais, c'est beau. Oh là là, quelle brochette. 3, 2, 1, let's go. Et on crie merci à nous, s'il vous plaît. Merci à nous. Inox, il a perdu. Ça, c'est l'usage du seum, regardez. Ouais, bien joué. Voilà. Si t'as le seum. Peut-être que tu refais un event Clash Royale pour que tu finisses encore devant toi. Attends, toi, faut que je te prenne sur un jeu là. On trouve un jeu, je te prends. Bah, en fait, tu peux prendre tous les jeux du monde, je te battrai dans tous les cas. Vas-y, trouve un jeu. Non, faut un jeu où tous les deux on commence de zéro. Oh, je suis pas sûr que tu veux jouer à ce genre de choses. Non, oui, donc pas jeu vidéo, c'est d'accord que je te baise. Comme sur Clash Royale. Tu me baises. Ouais, je. Répète-toi un peu aussi. Jeu vidéo, je vous encule. Inox, est-ce que tu peux juste dire à la caméra du vlog que t'as bien triché pour 1440 et que t'avais mis 2440? Combien de minutes dans une journée? 1440, c'est 2 points pour Michou et Inox qui se regardent de façon bizarre. Non mais ils ont mis 2440. Tu m'as dit 1400 et après j'ai calculé dans ma tête, j'ai dit ouais faut rajouter.
rajouter 40. Non mais le truc c'est qu'en fait. Oh non, mais c'est pas ça le problème. Non, il a pas compris. Non, j'avais mis 1400. Alors pourquoi il vient de me dire l'inverse, Micho? Je jure, en fait j'avais mal écrit. Je jure la vie de ma mère que j'avais mis 1440. Non, j'avais mis 1400. Et après j'ai vu ton ardoise, j'ai mis 40. Ah voilà. Vas-y l'équipe, dépêche tout le monde. Ok, merci beaucoup. Tu veux, on reprend cache-croyant un peu. Ça met pas dans le vlog. Okay. Oh, c'est bien fait. Mais par contre, là, on est en train de se foutre de la gueule de Rayou. Il a fait une performance pitoyable ce soir. Non, je parle au vlog, mon ref, t'inquiète. Stéphane, t'as pas tort. Mais j'aime pas ton regard comme ça. Parce qu'en fait, c'est ton regard où tu jubiles de me voir triste. Moi, je suis juste content que j'ai gagné. En ce moment, ça gagne surtout. Hein. Outplay. Le bail avec la protection civile, on est ensemble. Il a donné vraiment aussi tout ce qu'il avait. Ouais, c'est très très drôle de voir Stéphane derrière la caméra parce que quand il prépare une vanne, tu sais, on dirait comme un gragas qui prépare son E, il est comme ça. J'ai pas la ref, mais ça a pas l'air cool pour moi, quoi. Je vais la sortir, il va y avoir 4 personnes qui vont être des nuls dans les commentaires YouTube et après ils vont faire leur tier list. Soit tu t'excuses, soit je spoil que tu fais question pour un champion dans le prochain vlog. Je l'ai déjà dit en septembre. C'est vrai. Si tu regardais mes lives, voilà quoi, bah, c'est pas. Si tu liveais à des horaires corrects. Moi je suis vraiment un marchand de sable dans ma tête. Coco, ça dépend des semaines. Mais lui, c'est le marchand de tout, c'est à dire que quand il a une lubie. Mais tu sais que pour moi, si je fais une tier list des mangeurs de cartes graphiques, surtout. Je pense qu'il est premier. Pour moi, Sardoche, il est pas premier. Ouais, parce que Sardoche, il a un peu cet état de. Il faut quand même partager aux gens, il faut streamer. Là où Gotha, frère. Eh hey, gros, Gotha, il est là, il t'envoie 15 heures de TFT. Alex, il se taille les veines. Il te fait 15 heures de Nami. C'est ça, ça, c'est mon streaming, ça. Il débarque au bureau à 18h avant l'émission et fait ouais, top 1. Camille qui envoie un message à Combe à 11h. Il s'est couché, il est top 1. Très fier. Il était fier comme un coq, il se met dans le lit. Top 1. Sur Red Shadow. Ah, c'est sur oui, Red Shadow. Red Shadow, c'est différent, t'as pas un monde. Il a fumé des baleines plus grosses que lui, attends. Allez, oh. Bon les gars, c'est un grand jour. Grand jour. Ce soir, c'est KCX, Team K-Corp. Et avant ça, on est quand même au bureau, parce qu'on a quand même du travail. En plus, on a tout le monde pour aider, là. Ouais, tu veux encore dire que je réquisitionne tout le monde et que je fous rien. Les gars, moi, je tiens la caméra, je peux pas vous aider, c'est comme ça. Hein. T'es un meilleur timelapse, mon ref. Ah non, mais je peux tenir, t'inquiète. Du coup, c'est quoi le bail, là? J'ai réquisitionné tout le monde pour remettre les bureaux pour la soirée Valo de lundi. Comme demain, on décuvera du KCX. Non, je rigole, c'est pas ce que je voulais dire. L'alcool à consommer avec modération. C'est qui ce modération? Ici ça bosse dur. Ça va être quoi ta minute Yann cette semaine Yann? Parce que chaque fois que t'arrives il y avait gueule de coup. Voilà, mettez vos screens, le nouveau fond d'écran. C'est qui lui parlait dans le creux de l'épaule? C'est Kameto. Je vais pas m'amuser ce soir. Là j'aurais pu être en train de roll Nami 3. Je suis un putain de geek, je suis un nerd. J'ai l'impression que ça fait 15 vlogs qu'on parle de TFT. Oui, j'ai l'impression que ça s'en va jamais TFT hein. C'est bizarre hein. Bizarre. Il regarde les vlogs Kota. Ouais je le crois. Le samedi non? Il était pas en train de jouer à TFT là juste avant. Non, je pense pas. Dans deux semaines, je pense qu'il aura arrêté. Dans deux semaines, on est déjà en juillet. T'imagines, t'es en juillet et tu joues à TFT. T'imagines, t'as pas de vie. Salut YouTube. La boumeuse. Avec Lélé, on voulait vous parler aujourd'hui parce qu'on s'occupe de la boutique. Et en ce moment, c'est les soldes. Il y a moins 50% sur toute la boutique. Vous avez peut-être vu déjà passer l'info sur les réseaux sociaux et tout. Un petit visuel qui pourra se mettre là si Alex y pense. Au moment où le vlog sortira, normalement les soldes seront toujours en cours et en plus de ça, on devrait avoir une offre hyper intéressante à ce moment-là puisque c'est vers la fin des soldes. Comme vous pouvez le voir, bah, ça marche très très bien, ça part très très vite. Oui, merci à vous d'ailleurs d'être toujours avec nous. On a des étagères qui se vident très vite. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la boutique shop.gotaga.tv. Ah, je sais pas si je l'ai fait dans le bon sens. Shop.gotaga. Allez, bisous. Non, en vrai de vrai, par contre, il y a plusieurs épisodes de soldes qui vont se succéder. Il y a 4 promos différentes qui devraient arriver. Elles arriveront pas au même moment et ça sera vraiment éphémère. Il n'y a pas forcément d'ordre croissant de qui sera la meilleure en premier ou en dernier. On va faire ça de façon aléatoire. Et à chaque fois, c'est des petits plus pour vous récompenser et vous remercier d'être toujours aussi présent avec nous. Il va y avoir l'intervention de Coco qui va nous signer des petits t-shirts. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique. Allez, bisous. Coco. 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 Je signe où? Alors, tu signes sur le t-shirt ici. Ok. Merci Coco. Bon, c'était le premier d'une longue liste. Merci. Bon, ça va Yann? Écoute, on est prêt. Prêt pour quoi? Prêt pour aller au KCX et pour crier à les Reckless. Oh, c'est... t'es team Reckless toi? Ouais, je dis ça, mais moi je connaissais pas tu LOL. Tu vas plus pour Valo ou tu vas plus pour LOL? En vrai, LOL ça me chauffe de ouf. Parce que même si je joue pas, je regarde les lives de Kamel quand il joue, mais ça me hype de fou du coup. T'as hypé toi, Mel? Moi je vais clairement pour les deux, hein, je vous le dis. Moi je vais pour le concert de Prime. Et pour crier Kameta. Coucou Mel. C'est cringe, Alex. Pardon? Hein? T'as dit qu'il était cringe? Regardez-moi cette petite équipe là. On va où? On va au cassé. Merci Yann. Si vous demandez pourquoi on rigole, on est en train de vanner Alex là. Mais oui, mais comme d'hab. Il est trop mignon, on dirait qu'il va à Disneyland. C'est tellement cringe. Je te jure. Elle est méchante avec toi, mais. Alex, il a dit attends, tu filmes là? Non, non, filme. Non.
Alex, là en arrivant, ils sont tous stressés, ils sont là, regardez, il y a plein de gens. Vas-y, j'ai dit quoi? T'as dit sortez vos meilleurs sourires, les gars. Et c'est parti. Bonjour, ça va? Maintenant, Amine, c'est bon là. Non, mais moi, je suis plus dans les vlogs que Gotha, c'est grave quand même. C'est très grave, Amine. Amine, tu dis maintenant, c'est qui ton préféré ici? Moi, je vous connais tous ici. Waouh, tu regardes qui là? Tu me regardes, Amine? C'est moi que tu regardes? Alex, moi je t'ai dit, t'es dans une case différente. Il y a un nouvel acteur. Il y a le bloc. Il s'est fait sauver par les gens. La situation est débloquée, les amis. Je possède le badge presse, attention. Je vais pouvoir faire des interviews tout de suite de Sacha. Hello les gars, voilà, je porte un maillot Carmine, évidemment aussi. Un peu de la collection G-Corp que vous pouvez cop sur le shop. Et d'ailleurs, il y a 5% de réduction avec le code Pyro. Pyro, voilà, c'est faux, bien sûr, désolé. Si, non, c'est vrai. Il y aura un code. Code Pyro, les gars, 5% de réduction. On va passer une soirée incroyable. Ce KCX va être fou avec le show Half Time pour la fête de la musique. Let's go. Et là-bas, regardez le traquenard qui s'est passé. Stéphane s'est fait embarquer dans une interview avec Amine au sommet de sa carrière, le Stéphane. Et ici, qui on a? Les deux bombes de la soirée. Yo la team. C'est pas moi en fait de dire yo la team. Coucou, c'est Mel. Aujourd'hui, on se retrouve au KCX. Est-ce que je peux montrer comment t'as filmé pendant qu'elle faisait son intro? Je te présente Una pendant qu'il te filme. Avec la cape. Coucou, c'est Mel. Dans les vidéos, t'as l'air plus petit. Ah ouais? Ouais, je sais pas, j'ai jamais pensé que t'étais grand. Non, je suis un mec 92 ans. Regardez-les là. T'as fait ton interview? Ouais, je fais mon interview. Amine? En fait, je suis timide. Et pour faire une interview, faut que je me prépare avant, faut que je respire fort et tout. Mais c'est bien, Steph, il t'a débloqué, non? Il t'a débugué. Steph, il m'a aidé, il a parlé à ma place. Merci, Steph. De rien. Après, t'es frérot, moi, pour moi, c'est toi la plus grande star de la G-Corp. Hein. C'est vrai? Bah, c'est ton préféré, du coup? J'ai pas dit préféré, j'ai dit le plus drôle. Bah quoi? Elle a un problème avec le mot star pour Steph. Qui change? Wouah! Il veut pas dire c'est qui son préféré. Et même pas tu dis Corentin. Sors-toi de ça, dis que c'est Coco. En vrai c'est Corentin. Voilà. En vrai c'est Corentin. Mais il est pas dans les vlogs donc tu dois choisir quelqu'un d'autre. Mais il fait pas partie des vlogs en fait, c'est ça le problème. Pour moi il fait... Bah il est moins là qu'Élise quoi quand même. Il a moins de minutes que Yann. Il y a trois acteurs principaux, c'est elle, toi et toi. Des gens drôles? Non, les acteurs principaux. C'est parce que tu connais pas encore mon humour. Non, en fait un humour spécial, c'est ce que j'expliquais à Élise. Mais je pense Élise en humour elle est sous-cotée. C'est une sorte de sniper, elle arrive en une phrase, elle change un peu l'atmosphère du vlog. Parfois c'est une patate, c'est même pas une phrase. Mais en fait toi t'es une sorte d'antagoniste dans le vlog. Si t'es pas dans le vlog il est pas pareil. T'es gentil. Elle s'en bat les couilles. Non. Non mais elle est vexée. Oui, elle est vexée, oui. Elle s'en bat les couilles, elle voulait juste que je dise que c'est la plus grosse. On a passé au Mercure aux Z-Event. Je suis toi, t'es un ouf toi. C'est un ouf, il filme, je parle de trucs privés avec Amine. Let's go. Tout le monde est en place. J'ai envie de laisser justement le CIO profiter de cet instant. What the God? Récupérer une vandale, Nuzera qui va tomber, bonne call. Takas qui prend un kill sniper pendant ce temps-là. Takas qui va tomber et il reste que Shin en 1v3. Shin va tomber et on s'est fait gifler sa merde. C'est pas grave, après c'est un joueur quand même. C'est quoi Yann? Ça a été compliqué, je pense qu'ils n'entendaient pas, ils n'avaient pas le son. Je pense qu'ils avaient vraiment une pression de fou. Ouais. C'est quoi la suite? Là je crois qu'il y a la Prime avec le concert de Prime. Et après c'est LOL, on espère qu'on gagne sur LOL, on puisse bien gueuler sa mère. Regardez-la la sauveuse. Mais je suis désolée, j'ai pas réussi à prendre beaucoup. La sauveuse. Moi j'ai droit à combien de centimètres? Alors, ça c'est saumon, ça c'est poulet. C'est Camille. Allez, profitez du dernier de cette action. Allez, Carmine.
Regardez, il y a Elliot. Merci de vous le rendre comme ça. Avec toute votre force, tout ce que vous me donnez, c'est ça que je voulais vraiment faire. Faire des événements qui sont à l'auteur de vous. Et c'est un truc de ouf. Parce que même ça, vous méritez plus. Je les ai tous paqués eux. 3, 2, 1, lâche ça mon gars. Lâche ça mec. T'imagines le gars qui a pas compris. Nous on est à fond, à demain je suis en congé. Attention, Midlane. Oh, c'est pas 113, très beau. 113 qui va tomber. Attention, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Antira qui va reculer. Zanzara qui tombe le HP, le pilier, la tourelle. Oh, Kakos. Aïe, 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 le titre éclaire. Non. Ça va pas passer. Ça ne passera pas pour cette fois. Et les Misfits. Aïe, 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 aïe. C'est terminé. Ça ne change rien parce que vous êtes là, ici, ou à la maison. Et vous avez le même amour pour votre équipe. C'est un bon match, on l'avait dans les mains, on va en avoir un coup à l'air après une game pareille, Twix. Et c'est la vie, c'est du sport. Tu as été élu MVP du Spring plus des EU Masters de cette saison. Et on a un trophée qui va être remis par un ultra, justement, MVP du Spring. J'aimerais qu'on profite quelques secondes tous ensemble pour se rendre compte que c'est l'instant présent qui compte dans la vie. Et c'est l'instant présent qui nous permet de changer le futur. Prenez conscience, tous les joueurs, c'est pour eux tous ces sacrifices. Donc oui, aujourd'hui, on est un peu triste. Mais le bonheur de se rencontrer, forcément. Lâchez les mains. Merci à tous. Voir Saken. Il est tellement beau ce type. Il est tellement beau. C'est quand que tu montes sur scène avec eux? En 2023 du coup t'avais dit? Je sais pas. Je suis toujours platine donc je pense que là ça sera en 2029. Aïe 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 aïe. Ok, fin du KCX. Tu sais que ça rentre trop bien avec les lumières là. Cam, la frappe de Paname. Cam, la frappe vraiment de dingue Paname. De oh la rime. Ouais, mais toi tu dis ça. Là c'est le truc le plus important du KCX. Et tu peux filmer. On mange. C'est les sandwichs. Regardez le sandwich de Sam. Bon ça va les gars, vous avez kiffé C'était trop cool. En vrai de vrai, moi j'ai kiffé. La scénographie était superbe. Juste c'est dommage, ils ont perdu le match Valo, ils ont perdu le match LOL. J'ai l'impression qu'ils ont un peu une malédiction. Dès qu'ils font un big event, ils perdent. Et c'est trop dommage parce que si là ils gagnaient, vraiment l'ambiance, je pense que le public aurait tout cassé. Même dans la défaite, tu vois, les gens ils sont super bien comportés et ils sont tous restés et tout, c'est incroyable. Non, franchement, c'était beau à voir. Les supporters de la Carmine, ils sont vraiment trop géniaux. Tu me fais l'outro ? Je te fais l'outro. Merci beaucoup à la Carmine de nous avoir invités. Nous, toute la G-Corp, merci beaucoup. L'event était génial. Du coup, bah, on va vous laisser, on va profiter de la soirée. Bisous ! Ah, c'est le bloc ! Oui, voilà la cité ! Voilà, le plus drôle !
Non. J'ai dit lui il est plus drôle parce qu'il est con, mais lui c'est des blagues intelligentes. Vas-y, bisous. Merci Patty. Ah bah, en direct. Qu'est-ce que c'est quoi? Honneur. Ok. T'es con là. T'es un champion putain.